Il a attendu les premiers résultats officiels pour apparaître de son balcon de campagne. Pedro Pablo Kuczynski a remporté avec une infime avance le second tour de l'élection présidentielle au Pérou. Cet ex-banquier de Wall Street a été élu avec 50,5% des voix pour succéder au président de gauche Ollanta Humala, après le dépouillement de plus d'un tiers des suffrages. Mais le candidat de centre-droit qui souhaite un gouvernement de consensus a appelé ses partisans à attendre les résultats finaux. La candidate malheureuse Keiko Fujimori avait pourtant remporté le premier tour en avril avec 39% des votes contre 21% pour son rival et faisait la course en tête ces dernières semaines. Mais sans doute a-t-elle été rattrapée par l'ombre de son père, Alberto Fujimori, l'ancien président autoritaire, aujourd'hui en prison pour corruption et crimes contre l'humanité.